J'ai laissé au bout du soir là-bas. Certes par le nord, vous disiez, le littoral de la Manche aura un soleil voilé, mais le soleil sera là. Sur les pays d'Aloire, le centre, Paris. Bonne journée, à tout à l'heure. Bisous, bisous. Je m'appelle Isabelle Dersu, j'ai 54 ans, j'ai travaillé pendant 30 ans, j'ai fait un break, j'ai pris un congé sabbatique. Après, j'ai voulu absolument retravailler parce que j'ai vraiment besoin d'une vie sociale et d'une vie professionnelle. J'en ai profité pour faire une formation de la Chambre de commerce de Lyon sur les métiers du livre, parce que j'avais toujours souhaité pouvoir travailler dans le milieu du livre. Le but, c'était de pouvoir gérer une librairie, mais aussi de connaître toute la chaîne du livre. J'avais 52 ans, donc les enfants avaient besoin de moi pour les devoirs, enfin pour toute une logistique. Mais voilà, moi je me suis organisée avec la maman de deux amis qui sont dans la même école que mes filles. C'est un investissement en temps, un investissement en coût aussi. Et vraiment, c'était une vraie reconversion professionnelle. Et j'ai commencé à réfléchir à créer mon activité, créer des coffrets de littérature associés aux destinations ou à un thème particulier. D'où est venue l'idée de créer Deux Pages en Miles, Travel Mind, début 2017. Oui, tu es sage. Allez, on retourne. Hein? C'est bestial. Alors, je m'appelle François-Xavier Manin, j'ai 53 ans. J'ai une enfance très très difficile, due à mon handicap, mais à l'époque je ne savais pas. Des études, j'en ai fait très peu. Et après, à l'âge de 14 ans, je me suis retrouvé à travailler comme un adulte. Et j'étais heureux de travailler dans les premiers restaurants parce que je crevais de faim. Et sur le tas, j'ai appris au fur et à mesure. J'ai pris de l'assurance, des compétences, des connaissances. Et je ne suis jamais retourné en cours, en fait. Et puis, c'est une aisance naturelle dans le contact, dans le service. Et donc, je suis passé en cuisine. À l'origine, je ne voulais pas faire cuisiner. J'ai aimé au fur et à mesure. Et maintenant, j'adore ça, quoi, en fait. J'ai appris à faire la cuisine à l'ancienne. Après, j'ai eu une période où on voulait me faire faire des concours parce que j'étais assez bon. J'étais chef à 22 ans. J'ai aussi fait de la signalétique pour les restaurants. Mais comme je ne connaissais pas la nature de mes problèmes, je faisais trop d'erreurs. C'est des troubles 10 et le plus connu, c'est la dyslexie. C'est pas un énorme problème, en fait. J'ai pas la mémoire, j'ai des troubles de mémoire. Mais tout ça dans un bar, dans un bistrot, c'est pas bien grave. Et j'ai ma calculette, et j'ai mon ordi, et voilà, j'arrive quand même. Mais c'est vrai que pour travailler pour un patron, par contre, c'est complètement différent. Moi, ma façon de travailler est adaptée à moi. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter en faisant d'autres métiers et je suis toujours revenu à la cuisine. En fin de compte, ça a été une bouée de sauvetage et c'est devenu un plaisir. أنا شزاد أيوب، أنا سورية، أنا خلقت في حمص. نحن من عائلة متوسطة تقريباً. بابا الوالد كان موظف في الدولة، وأمي تعمل في الخياطة، وجدتي تعمل في الخياطة، وأنا تأثرت وأنا صغيرة جداً بالخياطة.
أعمل في الأعمال اليدوية مع والدتي. أنا درست البكالوريا، أصبحت مدرسة وتزوجت إلى مدينة حلب ودرست في مدينة حلب بالإضافة إلى الخياطة الخاصة. أوقفت التدريس بسبب أنه الخياطة أصبحت كثيرة، أصبحت مشهورة كخياطة من جوات قلبي أنه عم بعطي شيء عم بحبه أكثر من التدريس. كنت أخيط لأولادي أولاً، أعمل أشياء كتير غريبة. شافتني مدام في الكنيسة فقالت من أين هذه الثياب؟ من هنا بدأ مشروعي إلى التجارة أكثر من الخياطة الخاصة يعني. من هنا هي صاحبة محل فنصحتني بأن أعمل لها للمحل، وصار بك يعني كتير من التجار يشوفوا الألبسة تبعتي والموديلات ويطلبوها بشكل كميات كبيرة. أرى أنه تصميماتي تكبر بشكل كبير حتى أصبح عندي 45 عامل يعملون معي في مكان كبير في مدينة صناعية. Mon quotidien, d'abord je m'occupe des filles, je les descends à l'école, je relève mon courrier électronique, les commandes qui sont arrivées par mail beaucoup ou par le site internet, je commence à trier toutes ces commandes par pays, je passe mes commandes auprès des éditeurs, et puis parallèlement à ça, je fais des devis pour X coffrets. Quel tarif, avec quoi à l'intérieur. Donc là aussi, je travaille mes sélections de livres pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant pour le client et pour moi-même aussi. Comme toute activité, ce que vous proposez est le reflet de ce que vous êtes. Je m'adresse aux particuliers, à l'entreprise, au comité d'entreprise, aux voyagistes. Je propose un panel de littérature, le roman, le polar, le récit, le guide décalé. Donc ce sont des coffrets en forme de petites valises qui donnent tout leur sens à mon activité, littérature et voyage associé. Après vient la valeur ajoutée, des recherches que je fais pour proposer une littérature pertinente. Allô, Charline ? Bonjour, c'est Isa. Tu vas bien ? Très bien, je te remercie. Écoute, je me permets de te passer un petit coup de fil parce que j'ai deux BD à commander et il y en a une qui est chez MDS. Et MDS, la première commande, elle est trop importante pour moi. Donc, j'ai pas la force de frappe pour... La chance d'être à la maison, parce que effectivement, je peux m'organiser comme je veux, donc étaler. Mais je me rends compte que c'est pas si facile. Une fois que vous avez rencontré les personnes qui vous ont aidé à créer, à un moment donné, vous vous retrouvez tout seul. Et que finalement, le lien social qu'on crée en étant dans une entreprise est primordial. Je suis riche de tout se passer en entreprise. Après, vous vous retrouvez seul, donc effectivement, vous allez appliquer ce qui vous a réussi quand vous étiez dans un service d'administration des ventes, ou à une gestion de clientèle, ou à une gestion de stock. Je trouve même que c'est important d'être passé en entreprise pour pouvoir savoir comment ça fonctionne. Et même quand on rencontre des gens, moi, les gens que je rencontre, ce sont des entreprises. Donc je sais comment elle fonctionne aussi. Je sais les arguments qu'on peut me retourner en face. Donc tout ça, je l'ai appris en entreprise, oui. Je me suis dit, je veux faire de la cuisine, des vraies spécialités beaujolaises. Je veux vivre dans un beau cadre. Le concept, c'était comme chez Papy, qu'on va voir dans le Beaujolais. C'est de l'authentique, on mange ce qu'on a à l'assiette, on savoure. On peut faire une tâche, on peut prendre avec les doigts son envie, on fait ce que l'on veut. C'est les clients qui m'ont dit, comme à la maison, non mieux. Le réveil sonne vers 6 heures à peu près. Je bois un thé, je promène mon chien, et après, j'ouvre le bar. En général, je mets en chauffe le fourneau. Je vois si, par exemple, il faut chauffer de l'eau, c'est ce que j'ai besoin en fin de compte. Je passe l'aspirateur dans la cuisine. Je remets un petit coup sur les tables et après j'attaque ma cuisine jusqu'à 11h à peu près. Je repromène mon chien et après je mets les tables et j'attends les clients. Je fais quand même casse-croûte à toute heure, c'est-à-dire que les gens ils peuvent manger à 9h30, ils peuvent me demander une andouillette ou une entrecôte. Moi je sais cuisiner, travailler, éplucher, c'est vraiment ce que j'aime. Je fais mes courses
et je vois des produits. Et du produit, je me dis, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai de la viande de très bonne qualité. Tout le monde me félicite parce que je sais la choisir, je la sens, je la vis, quoi. Et le vrai truc, il est là, c'est de vraiment vouloir faire de la qualité, même d'un produit simple. Meilleure qualité-prix, pas le moins cher, pas le plus cher non plus, parce que ça sert à rien. C'est bon. Putain, putain. Par rapport à mon handicap, quand je suis avec mon tablier, je suis François-Xavier, le patron. Et rien d'autre. C'est un véritable rôle, oui. Je suis extraverti dans le travail, mais pas du tout dans la vie privée. C'est un rôle, je suis dans mon élément. C'est pour ça que j'aime pas être en difficulté. Parce qu'en fin de compte, je suis d'un autre monde. Et dans le travail, c'est différent. En fin de compte, ça m'aide à surmonter et surtout d'assumer et de gagner ma croûte. Parce qu'en fin de compte, ça marche aussi. كنت أعطي البضاعة للتجار في بيروت وفي كل البلاد العربية والأجنبية. قررت أن أذهب إلى بيروت لأجمع قليل من المصاري المبالغ التي أنا دينتها إلى التجار. وهناك بقيت في بيروت لأن المطار تسكر. بدأت من مطار حلب المعارك في حلب. في المعمل الكبير كتبوا عليه إكس إنه ممنوع أدخل إلى المدينة الصناعية فقررت السفر إلى السويد لعند بنتي ولكن أنا عملت البصمة في باريس وكملت إلى السويد في السويد قالوا لي يعني ما لازم أنت ضلي عنا في السويد فهني مع البوليس أنا رجعت على فرنسا واتصلت ببنتي بالسويد بحثت على عائلات في اليوم فوجدنا عائلة وبتت عند الناس حوالي 8 شهور كان عندي مشرفة أستان سوسيال بالفروم روفوجي تغلي عرضت علي عدة أنواع من العمل لكن أنا قلت لها أنا عندي مهنة قلت لها طيب أنا بعمل أنا لحالي مشروع صغير قال أوكي في مؤسسة اسمها اللادي هالمؤسسة هي بتفتح المشاريع الصغيرة 6 أشهر نعمل الأوراق سجلت في غرفة التجارة استأجرنا المحل اشترينا الأغراض الزبائن أصبحت تأتي من اللافري وأصبح الشغل يأخذ مجراه في 6 أشهر أنا بدأت كروتوش والناس كانت ممنونة مني قررت كمان إني كبر شوي المشروع إنه أنا كمان ما عم بكفي كتير صار مصروف كبير جبت جوزي لم شمل صرنا عائلة هوني صار مصروفنا أكبر En création, ce qui est important et ce qui demande beaucoup de temps, c'est rencontrer les gens. Alors je suis allée à la pêche aux informations. Lors d'un salon qui était organisé par Pôle emploi, où il y avait toutes les associations justement d'aide à la création d'entreprises, j'ai pu effectivement cibler les gens que je souhaitais rencontrer, qui m'ont donné les infos dont j'avais besoin. C'est intéressant aussi quand on rencontre une association de cet ordre-là, qui valide avec vous votre projet. Ça vous permet de remettre les choses à plat, parce qu'elles vous posent les bonnes questions, elles vous poussent aussi dans vos retranchements. Donc vous, ça vous permet de réfléchir à des choses que vous n'aviez pas forcément perçues au départ. Le premier poste important, ça a été la com pour moi, la charte graphique, le logo, la signature. Et après, l'autre gros poste qui a été le site web. J'ai travaillé avec une société qui elle-même avait été financée par l'ADI, puisque tout est en réseau. Ça a été les deux gros postes au départ pour lesquels j'avais besoin de budget. S'il faut exploser le budget, c'est que quelque chose ne va pas. Donc, se remettre dans les rails, re-réfléchir, qu'est-ce qui pêche, quel est le côté, l'aspect de la société qui pêche. J'ai eu des rencontres particulières assez fortes. Bah, d'abord, au sein des ateliers que j'ai suivis dans le cadre de la Chambre de commerce, dans le cadre de l'ADI, et puis aussi dans le cadre d'une autre association qui s'appelle Force Femmes, qui là regroupe des personnes qui ont plus de 50 ans, des femmes,
qui ont eu des trajectoires très variées et qui se retrouvent à 50 ans à vouloir remettre le pied à l'étrier pour retrouver une activité ou qui veulent créer leur propre activité. C'est très enrichissant de se retrouver dans des groupes de cet ordre-là. C'est vrai qu'il y a l'accompagnement par les associations, par les gens que vous rencontrez, qui vous confortent dans votre idée par l'enthousiasme et le retour qu'ils vous donnent. Et puis, ce qui est primordial aussi pour moi, et moi j'ai la chance vraiment, c'est d'être accompagnée chez soi, en famille. Ça demande du courage hein, aussi de la part de la personne qui vit avec vous, parce que ce sont des activités très chronophages. Moi, je n'ai pas d'heure, hein, je peux travailler jusqu'à minuit, je peux travailler le week-end. Je pense que l'accompagnement familial et les encouragements sont très très importants. Très très importants. Quand on crée son entreprise, le plus compliqué c'est de se faire entendre, de trouver des interlocuteurs. Beaucoup, beaucoup de gens vous mettent le grappin dessus pour profiter de la situation, car vous êtes en état de stress, de peur de ne pas y arriver, de peur de ne pas ouvrir à temps. Et on vous fait dépenser de l'argent que vous n'avez pas besoin de dépenser. Par contre, c'est plus la gestion du démarrage qui est dure que le démarrage par lui-même. Pour qu'on vous signe votre bail, il faut que vous soyez inscrit à la Chambre du Commerce. Quand vous êtes inscrit à la Chambre du Commerce, les frais de l'entreprise commencent. Bonsoir, c'est moi. Ah là, super. Bien. Attends, Raphaël, merci. Mais de rien. Tu repasses demain? Demain, c'est ça marche. Au fur et à mesure des expériences, j'ai fait des petites formations à droite et à gauche de maraîchage. J'ai fait des stages de bricolage, des stages de gestion, des stages de communication et même en plomberie pour pouvoir me dépanner si j'ai un problème de robinet. Sachant que je voulais être à la campagne parce que c'est quand même un endroit que je recherchais. Bonjour. Pour quelque chose. Vous voulez manger pour deux personnes? Deux personnes. Ben, je commence un service de midi à midi. Oui. Bien. Et surtout, après aussi, s'adapter. Il faut savoir faire une affiche, il faut savoir faire réparer un robinet. L'entourage aussi, c'est important quand on crée son entreprise. Moi, je vois que, bon, je ne suis pas super entouré. Voilà. Merci beaucoup. Mais le peu que j'ai, c'est top. Quoi. Voilà. Je téléphone à ma sœur hier. Hop, elle est venue. Ses enfants aussi viennent t'entendre un petit coup de main. Une affaire, c'est comme un bébé. Hein. On la travaille, on réfléchit dessus, puis après on affine, et puis on revient en arrière, parce qu'il y a des choses que des fois on va trop loin. Donc on affine. Celui-là, c'est pour refaire la... في البداية فكرت إنه أرجع إلى سوريا، ولكن تأخرت الحرب كتير، تأخرت، وفقدت من العمال ومن الماكينات ومن كل شيء. أنا هل التفكير أنا كنت ضايعة. أولاً ما كنت عم بعرف شو بدي أعمل. طبعاً جاي على بلد كتير ما بعرف شي عنه يعني. والبول أمبلوا بعت لي مرة إني أشتغل في محل قالوا لي اللغة صعبة عليكي، اللغة أنت ضعيفة فيها. في فرنسا كتير صعب إنه أنت تشتغلي في معامل أو في وما عندك اللغة. أول شيء بالبول أمبلوا يعطونا فورماسيون فورماسيون وفورماسيون مشان نتعلم اللغة، لكن أنا بهالعمر صعب علي إني أتعلم اللغة توت سويت بسنة أو سنتين. بقلت أنا إذا عملت بوتيك صغير لحالي استمريت نجحت، ما نجحت طبعاً بدي كنت فتش على وظيفة أخرى. أكيد أنا مرقت بكتير صعوبات، أولاً أنا لوحدي وأولادي بعيدين عني، هذا الستريس داخلي يعني. طبعاً بلد غريب علي، اللغة غريبة، الناس غريبين، كيف بدي أبدأ؟ قدرت أتخطى هالصعوبات هاي، لكن أنا عندي خبرة من سوريا كيف أنا بتعامل مع كل الناس، بما أنه عندي خبرة.
من إنه فرنسا تعطينا المساعدات وأمنت لنا المشروع الصغير، وبتمنى إنه يكبر مشروعي وأصل للخطوة اللي أنا وقفت فيها في سوريا. Je pense que c'est le côté récurrent dans toute création d'entreprise. C'est effectivement se dire, voilà, j'ai un budget de départ, donc il va falloir que je le gère au mieux pour passer par toutes ces étapes de création. C'est le budget, hein, c'est le nerf de la guerre. Il faut vraiment bien déterminer ses besoins au départ. Il faut les construire step by step, être très raisonnable, surtout pas de folie des grandeurs. Ce sont tous les petits frais qui se cumulent. Et en fait, vous voyez votre enveloppe diminuer à la vitesse grand V. Donc, il faut vraiment gérer ça le mieux possible pour ne pas se retrouver coincé le jour où vous avez votre première commande qui peut être importante et qui va nécessiter des achats de matériel. C'est une gestion au jour le jour, au jour le jour. Parce que vous avez toujours des petits frais auxquels vous n'avez pas pensé qui vont se rajouter. Et finalement, c'est ça qui va grever votre budget. Se faire connaître est important, rencontrer les gens est important, parce qu'ils se souviennent de vous, parce que vous vous souvenez d'eux. C'est plus facile de les rappeler, de les recontacter. Le tissu humain, mais réellement humain, est fondamental en fait. Et le fait aussi de commencer à créer son entreprise, d'avoir quitté le statut de salarié, de devenir indépendant, on quitte un certain confort entre guillemets, surtout quand on a été pendant des années en CDI, pour prendre un risque et se retrouver tout seul du jour au lendemain, et aussi un aspect intellectuel pas si évident que ça. Ça demande aussi une certaine discipline. Ce qui me pousse, c'est me dire que j'ai la chance de faire ce que je veux faire, que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu faire cette formation, d'avoir pu créer mon activité, de me régaler à faire ce que je fais. Donc ça me pousse, c'est vraiment mon moteur. Je ne me projette pas encore dans 5 ou 10 ans. Pour le moment, c'est un peu au mois le mois. En rêve, je me dis qu'on pourrait être 3 ou 4, que voilà, je peux être sur toutes les vitrines des gros tours opérateurs. Je pense qu'effectivement, quand on commence à y songer, c'est que quelque part, on a moins les deux pieds dans l'instant présent et qu'on commence à faire le petit pas de côté qui fait que vous allez peut-être changer de direction et puis travailler autrement. Moi, j'ai attendu 30 ans pour pouvoir commencer à réfléchir à ça. Quand vous avez autour de vous les bonnes personnes et qu'il y a un élan aussi qui se crée et une envie, tout s'enchaîne jusqu'à la date de création et jusqu'au moment où on se dit, j'ai toutes les cartes en main, donc maintenant, allons-y. Tout le monde peut suivre une recette, mais c'est pour ça que beaucoup de gens font l'erreur de créer leur entreprise, parce que leurs enfants disent « Maman, tu fais bien manger. Viens, on fait un restaurant. » Non. Si vous n'avez rien pour renouveler, si vous n'avez pas les compétences pour renouveler, faut y réfléchir vraiment à deux fois, même voire éviter et surtout pas s'endetter. Se préparer soi-même et préparer son entreprise. Et déjà anticiper ce qui va se passer après. La gestion, la rigueur dans le travail. Savoir où on va, de ne pas surestimer, de rester quand même un petit peu humble, mais en le disant. Un petit peu comme la personne qui dit « je suis modeste, mais il faut bien que je le dise pour qu'on le sache ». Une entreprise, elle doit toujours aller en montant, elle ne doit jamais descendre. Ou ce cas exceptionnel, mais sinon elle doit toujours... Pour se pérenniser, il faut quand même toujours développer. Donc il vaut mieux partir de bas et monter que aller trop vite et de redescendre, parce que ce qui arrive la plupart des cas. C'est sûr que ça pourrait être mieux. Toujours, on peut toujours faire mieux. Ça, c'est à savoir qu'on veut créer son entreprise. Ne pas se contenter de ce qu'on a. C'est pour ça que j'ai fait ma crèche, mon machin. Hop, ça va me faire un petit billet. Je vais pouvoir acheter quelque chose. Je vais pouvoir faire quelque chose. Payer une plus belle communication. Sinon.
انا بحب انه شركه كبيره تاخذ بايدي، يعني تعلمني كيف ننطلق الى الاعلى بفرنسا. وانا في سوريا كنت اصنع جمله، هلا انا بدي حدا ياخذ بايدي لنصنع جمله. هذا بكون يعني بكون كثير انا ممنونه اذا بوصل لهالمرحله. يعني رغم اني كنت مليونيره في سوريا وعندي المعمل الكبير وعندي الطموح الاكبر، لسه ما زلت اكيد عم بحلم بالاكبر، رجعت تنازلت بعد الحرب على الصفر. ولا اريد ان اترك فرنسا لاني اريد ان احصل على الجنسيه واعمل مشروع في سوريا ومشروع في فرنسا. طبعا الشغل مغامره، غامر وما تخاف اذا كان عندك امكانيه. اكيد في سقوط ولكن في طلوع، اكيد في نزول ولكن لازم الانسان يضل عم بيهدف انه لازم يحقق مشروعه. يعني ويا لو bonjour madame bonjour, je voudrais savoir si vous faites des roulés pour le jean. D'accord, demain mercredi matin. Et c'est combien le roulé pour un jean? Orler le jean 8 euros normalement toujours. D'accord. Demain matin. Allez, monsieur. D'accord, merci. Monsieur. Au revoir. Au revoir. لازم كل إنسان يبدأ يحط إجره على الدرج ويكمل مسيرة شغله. ابدأ بالقليل واطلع واطلع شوي ورا شوي. رح تصير، رح تمشي، أكيد رح تمشي. أنا أريد أن أتطور وأعمل وأشغل غيري عندي كمان، يعني هذا حلم عندي يعني غير. Thank you.